Yeah.
Thank you.
I'm
I'm
I love you.
I'm gonna go get some food.
Hallelujah!
Je
Thank you.
I get it.
I'm going to go to the hospital.
C'est la disposition de la soumission à Dieu. C'est-à-dire que nous devons reconnaître que c'est Dieu qui nous fait. Et si le Seigneur se détourne de nous, s'il détourne son regard de nous, nous ne sommes rien. Alléluia. Pour que nous ayons cela à l'esprit en tout temps et en tout lieu. Que nous comprenions que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans notre marche avec lui, s'il détourne son regard de nous, nous ne
sort rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si Jésus-Christ est avec chacun de nous, qui sera contre nous? Maintenant, on va prendre le contraire. Si Jésus-Christ n'est pas avec nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir dans ce monde trempé dans la méchanceté? Dans ce monde contrôlé par la méchanceté? Alléluia! Qu'est-ce que nous allons devenir? Et cette méchanceté qui contrôle ce monde-là se manifeste en chaque partie du territoire de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne peux que vivre que dans la soumission, dans la crainte, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette crainte que tu as pour le Seigneur doit t'amener à avoir une certaine tenue. Tu dois t'éloigner de toute chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu dois t'éloigner de toute chose qui n'honore pas le nom du Seigneur Jésus. Tout à l'heure, dans la louange, il y a quelque chose de formidable qui s'est passé. Quand la servante de Dieu, avec le micro, a commencé à chanter, dans la maison de la calomnie, moi je sors, tout le monde a répondu. Je sors. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde a répondu, je sors. Aucune personne ici n'a dit, moi je rentre. Aucune personne. C'est-à-dire que tu as donné ton oui. La parole de Dieu déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'étais en train de dire que lorsque nous venons de la présence du Seigneur Jésus, il y a une certaine tenue que nous devons avoir. C'est-à-dire que nous devons être sérieux avec Jésus. Nous devons être sérieux, d'autant plus sérieux que toute chose qui sort de notre bouche là, on ne doit pas les faire sortir dernièrement. On ne doit pas les faire sortir parce que tout le monde fait. C'est-à-dire que tu ne dis pas quelque chose parce que tout le monde dit. Alléluia! Tu ne dis pas quelque chose parce que tout le monde a vu le dire, donc moi aussi je le dis. Ça ne doit pas être comme ça. Ce que tu dis là, tu le dis en toute conscience. Tu le dis en toute conscience. Si c'est bon, c'est bon pour toi. Et quand tu l'as dit, tu dois respecter ce que tu as dit. Alléluia. Dans la maison de la calomnie, le mot de sort, tout le monde a dit, je sors. Mais Dieu se sait. Dieu se sait. On vient nous sommes. En ce lieu. Dieu se sait. On vient nous sommes en ce lieu. Et avant de dire cela, nous sommes encore trempés dans la calomnie. Alléluia. On ne dit rien parce que tout le monde en fait le dit. On ne dit rien dans la présence du Seigneur dernièrement. On ne dit rien de la présence du Seigneur dans la légèreté. Alléluia. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'engage. Ce que tu dis, c'est ce qui t'engage. C'est bien de louer le Seigneur. Mais quand on loue le Seigneur dans la vérité, avec tout notre cœur, c'est-à-dire que cette louange que nous donnons à Dieu, cette adoration à travers la louange que nous donnons à Dieu, donc, provenir du cœur, donc, toi, être basé sur la vérité. Dans la maison du Seigneur, au moins, dans la maison de la calomnie, au moins, je sors, tu sais que je ne vais pas dans la vérité. Et puis, chaque dimanche, je répète la même chose. Je voudrais que chacun de nous ici médite ce qui est en train de se dire ce matin. Faut qu'on fasse attention à notre vie. Faut qu'on fasse attention à ce qui sort de notre bouche. Et puis, il faut qu'on vive réellement ce que nous disons. Si nous disons ce qui glorifie le nom de Jésus,
il faut que effectivement nous vivions cela. Alléluia. 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 Dieu, il est saint. Jésus-Christ, il est saint. Il est même infiniment saint. C'est pourquoi tout ce qu'on va élever vers lui doit se faire dans la pureté, dans la vérité, dans la sincérité, provenant du cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est un Dieu d'homme. Et comme il est un Dieu d'homme, il y a des choses auxquelles il ne prend pas plaisir. Il y a des choses auxquelles il ne prend pas plaisir. Le Seigneur Jésus est le Dieu qui prend plaisir au dépouillement. Il est le Dieu qui prend plaisir à la repentance. Il est le Dieu qui prend plaisir à la vie de sanctification. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous a donné des interdits. C'est pourquoi il nous a donné un certain nombre de recommandations auxquelles nous devons nous soumettre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as décidé de marcher avec Jésus, tu ne regardes plus en arrière. Quand tu as décidé de venir à Jésus, tu ne regardes plus en arrière. Quand tu as décidé de marcher en nouveauté de vie avec le Christ, si tu aimais bien les produits d'entretien des cheveux, tu ne dois plus regarder à ces choses. Tu ne dois plus revenir à ces choses. Si tu aimais bien passer du temps devant le miroir, tu ne dois plus faire ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu aimais bien le commérage, tu ne dois plus prendre plaisir à ces choses. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas le retard. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'aime pas le retard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La main que tu dis n'est pas un mot fortuit. La main que tu dis n'est pas un simple mot. C'est une puissance. Et toi, quand tu dis Amen avec force, avec autorité. Amen. Amen. Dis Amen avec conviction. Ne dis pas Amen, on dit Amen fort. Comme on dit Amen fort, moi aussi je dis Amen fort. Comme Amen en train de baisser, moi aussi mon Amen en train de baisser. J'ai parlé de cette tenue que nous devons avoir lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes devant Jésus, tout ce qu'on fait qui glorifie Jésus doit se faire avec conviction. Doit se faire avec conviction. Ça ne doit pas se faire avec hésitation. Ça ne doit pas se faire avec légèreté. Ça ne doit pas se faire avec faiblesse. C'est pourquoi quand tu dis Amen aussi, Amen est une prière. Amen est aussi un autre nom de Dieu. Amen est une puissance. Alléluia. Jésus-Christ n'aime pas le retard. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur n'aime pas le retard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une chose est claire. Si tu n'arrives pas à te débarrasser du retard, si tu n'arrives pas à sortir du retard, c'est sûr et certain que tu vas rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à te débarrasser du retard, tu n'arrives pas à sortir du retard, c'est sûr et certain que l'enlèvement, tu vas le rater. Alléluia. Amen. Toi qui es dans ces choses, c'est le mieux pour toi de travailler à sortir de cela. C'est le mieux pour toi de travailler à sortir de cela. Prends des moments de jeûne. Prends des moments de jeûne et prière. Pour que le retard se loigne de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a donné à tous ceux que nous sommes ici, à tous ces enfants que nous sommes, des cheveux naturels,
Sa parole déclare qu'il a fait toutes choses bonnes. Alléluia. Il a fait toutes choses bonnes. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas de faux cheveux. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, le verset 9. J'ai lu la parole du Seigneur avec l'esprit. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent de tresses. C'est ce qui nous intéresse. Oh, mon Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Ne s'épargnent de tresses. Là, le Seigneur s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à son Église. Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à toute la créature humaine. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas que pour les cheveux naturels qu'il t'a donné, tu sois amené à aller prendre des faux cheveux pour les mettre encore sur ta tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a horreur de ces choses. Alléluia. Amen. Si nous appartenons à Jésus, contentons-nous de ce que Jésus nous a donné et qui nous donne gloire. N'allons pas prendre ce qui ne vient pas de lui. N'allons pas prendre ce qui donne lieu de rendre culte au diable. N'allons pas prendre ce qui nous amène dans notre conscience à donner gloire au diable. Quand le Seigneur te donne tes cheveux naturels, et que toi tu vas prendre d'autres cheveux, qu'on appelle les faux cheveux, tu vas prendre les mèches. Tu vas prendre les perruques, tu vas prendre les tissages, tu vas prendre ce qu'on appelle les mèches importées, les mèches humaines. Quand tu es dans ces choses, c'est à l'ennemi que tu donnes gloire. C'est à l'ennemi que tu rends culte. C'est devant l'ennemi que tu as pu réfléchir, je veux. Alléluia. Amen. Dans ces conditions, tu ne peux pas intervenir en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Femme, le Seigneur ne veut pas que tu viennes dans sa présence non voilée. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 3 au verset 16. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre verset 3 à 16. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, et honore ton chef. Toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, et honore ton chef. C'est comme si elle était rasée. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien aimé, n'attendons pas d'être ici devant nos frères, devant nos soeurs dans la foi. Nous sommes être voilés. Même chez nous, à la maison, on va être voilés. Je parle de nous seuls. N'attendons pas d'être seulement ici, devant nos frères, devant nos sœurs, pour être voilés. Le Seigneur est partout, il est omniprésent. Il est omniprésent. Tu peux être amené devant une situation qui se présente à prier. Tu vas prier comment? Pendant que tes cheveux ne sont pas voilés. Tu vas prier comment? Tout du monde, ta prière va monter comme vers le Seigneur. Alléluia. 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 Si réellement nous avons la paix du Seigneur Jésus, tout ce qui se dit en sérieux, nous devons le prendre avec sérieux. Nous devons le prendre avec crainte à notre Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur ne veut pas aussi des cheveux colorés. Alléluia. Il ne veut pas des cheveux colorés. Il ne veut pas de coiffure mondaine, comme on voit un peu partout. Des tectoniques, des bétons, des barabudas. Aujourd'hui, il y a une autre forme de coiffure avec des dreads au-dessus et puis tout le tout là est rasé. Tout est rasé, mais au-dessus des dreads. Alléluia. Cela ne doit pas être votre partage, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Alléluia. Mais en même temps, nous qui avons accepté Jésus, nous qui connaissons la vérité, disons la vérité, prêchons la vérité à nos frères, nos sœurs biologiques, nos connaissances qui sont encore trempées dans ces choses. Prêchons-leur la vérité aussi. Toi, le Seigneur t'a fait la grâce. Tu es sorti de ces choses. Mais parle aussi à ceux avec qui tu vis qui ont encore ces choses dans leur vie. Il faut leur parler. Il faut leur parler. Alléluia. C'est un devoir pour nous tous. C'est un devoir pour tous ceux qui sont présents, nous tous qui sommes présents ici. C'est un devoir pour nous qui avons accepté de marcher en nouveauté de vie avec le Christ. C'est un devoir pour nous. Connaissant la vérité, qui est la sainte doctrine, qui est la doctrine de Christ, c'est un devoir pour nous de donner cette vérité à ceux qui vivent à la manière mondaine. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton âme soit puissante. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur ne veut pas de bouc d'oreille. Il ne veut pas de persil. Il ne veut pas de toutes ces choses qui détruisent son temple que nous sommes. Alléluia.